Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Nous avons ce matin deux invités de la diaspora. Théodore Fayette et Francky Louis sont nos invités pour commenter l'actualité. Émission ça a fait non contexte spécial, côté quelques jours, si vous voulez, après que un conseil présidentiel t'est pris en fonction, t'est entré en fonction. Jodi an, conseil lan pral décidé pour élire un coordonnateur ou bien un président. Eh bien, moun ki nan diaspora, autant que moun ki nan ki en Haïti, ka vive sur le terrain en Haïti, yo gen yo même tout des préoccupations, des attentes quand nous connaissons que problème paysan t'est tombé sous épaules yo tout, même gens avec haïtiens qui vivent sur le terrain dans la chair, dans leur chair, l'insécurité. Je dis en plein monde t'a remé qu'on est par exemple, est-ce que doué bay conseil là yon période de temps, est-ce que c'est 90 jours, est-ce que c'est 100 jours pour yo mettez à l'œuvre feuille de route yo attaquer ça que en pile haïtien t'est capable considérer comme priorité. Sécurité, aller, y retourner, c'est un thème qui est, je dis, crucial pour les Haïtiens. Avec nos invités, nous allons essayer tendre le mot des Haïtiens de la diaspora. Je vais commencer avec M. Fayette, Théodore Fayette, qui est avec nous là. Bonjour, Monsieur Fayette. Je suis content qu'il y ait possibilité de parler avec vous pendant qu'on a intervenu en direct des États-Unis. D'accord, bonjour, Wendell. Et merci pour l'invitation. Même chose pour Francky Louis. Monsieur Louis, bonjour. Merci pour disponibilité au poil Brasilide avec nous dans un instant. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Wendell et merci beaucoup pour l'invitation. Ça, je pense que ma grande opportunité à Clis pour moi parler avec vous et puis pour nous juste discuter des points importants, surtout dans le moment que nous y connaissons. Ma pour retourner sous M. Fayette pour me dire, comme l'élection parfaite, en fait, qu'a fait jeudi à là en Haïti pour désigner, pour élire, si vous voulez, un coordonnateur ou bien un président du conseil. D'abord, qui ça diaspora attend? Qui ça moun nan diaspora attend de cette équipe? Monsieur Fayette. Bon, en fait, je pense que Wendell, autant que moun gen dans le pays, nous connaissons le pays fermé, et depuis des temps, même dit fermé, on a dit que Haïtiens tous les réfugiés dans le pays, et nous recevons pile réfugiés dans la diaspora, tout. Donc ça veut dire que en général, on n'a pas de problème qui vient tomber sous communauté, sous famille, babo ici, qui oblige à recevoir des mondes qui quittent le bureau en Haïti, qui quittent le travail, qui travaillent un bon job, qui oblige à quitter parce que le pays a vint tourner et on l'a fait pour Haïti. Donc, en fait, ça n'a pas tant de M. Sayo, d'ailleurs, qui déjà font un gros effort pour comprendre que Haïtiens, toutes ces mêmes nous, en chita sur une table, en soutien différents groupes pour capable de réfléchir, n'a pas tant que M. capable. Monsieur Damio, attaquer le problème d'insécurité à qui, je pense que c'est le plus primordial actuellement. Parce que si ça résout, à permettre que Haïti soit capable de faire tourisme la caillou, qui permet l'économie à marcher, si ça résout, ça permet que le monde qui tape une position en Haïti, capable de tourner à le ranger, ça construit la caillou, continuer. Le monde qui peut faire retraite, il pas ici, capable de joindre, il côté pour aller, je pense que. À faire problème pays d'Haïti, problème de sécurité, à frapper tout Haïtien qui est dans la diaspora, qui d'ailleurs a protégé charge à tout, parce qu'il est obligé à supporter famille, ça va recevoir les réfugiés, ça va cap sauter. Tribobabo, parce que pays d'Haïti tourne bien l'affaire. Sécurité, c'est problème, je pense, qui est primordial, et ou même on a senti tout dans le déplacement, et tout pour en Haïti à vivre. Donc, nous souhaitons que monsieur soit capable de comprendre ça et mettre tête ensemble, monsieur Damien encore, mettre tête ensemble pour joindre une réponse à problème. Insécurité dans le pays d'Haïti.
Nous, ouais, d'ailleurs, là, on bagaille qui écrit Haïti première classe, M. Fayette. Qui ça vous voulez dire? C'est quoi le message? Non, Haïti première classe, c'est une émission, un programme de télévision qui paraît régulièrement, hebdomadairement, on magazine là depuis des années dans la communauté qui servit, toi, c'est d'ailleurs, qui est en fait diffusé sur NYC Live. Et c'est Chanel Gouvernement qui allait sous trois États, New York, New Jersey, Connecticut. Donc, moun ki nan komunite an Haïti, kon sakri la Haïti Premier Class, moun ki New York, New Jersey, Connecticut, pa ka ignore program sa ki regulièrement, et connecté avec communauté a, partager avec yo information que besoin, pou kapab éduqué yo, by direction, et en fait, chercher information en Haïti, jouen commentaire sou politique américaine babor ici, pou permettre que communauté a kapab informer et éduquer sou sa kap passe non seulement en Haïti, mais sa kap passe à l'étranger ou sur le monde point international. Haïti Première Classe, c'est un programme, comme nous disons, magazine, et qui diffusait chaque dimanche matin de 8h à 10h sur NYC Live, qui est sur YouTube tout, et qui est un programme radio tout qui paraît 9h pour 11h sur 91.5 FM, qui diffusait sur New York, New York, qui allait tout sur Radio Centre-Ville, dans Montréal, avec Radio de VKP en Haïti. Bon, là, moi, j'ai bougé sérieusement, et là-bas, et mes félicitations. Francky Louis, ou même bon côté Pau, est-ce que, ou même avec Dr Fayette, nous parlons le même langage et par rapport à préoccupation nous dans la diaspora, attente nous de l'équipe ça qui prend les futurs décideurs ou encore les décideurs et les Haïtiens? Bon, comme dit, moi pas quoi la situation que Haïti est connue là, nous capable parler différents langages, son seul langage pour tout Haïtien gagner. Sécurité à nous connaissons les premier, pas rien capable marcher, économie en paralysée complètement. Donc sans sécurité, ou pas capable réformer l'économie, pas rien vous capable faire. C'est bien malheureux, monsieur, pas grand pile jour devant vous, ça me comprend peut-être moins que 2 ans vous gagner. Et peut-être d'espérer que monsieur ça comprenne critique que vous gagnez et de fait que nous pas attendre too much la titre vous gagnez devant le gros travail là, mais ça qui est important pour mettre tête ensemble comme des leaders pour résoudre problème sécurité là. Et problème sécurité là, il y a besoin de plusieurs façons, mais c'est pour, et puis non seulement pour résoudre problème sécurité là, mais faut pas mouiller marche à suivre soit vous pouvez dire mes côtés n'a pied mais qui rien à faire. Nous avons fait nos deadlines, par exemple, nous avons fait tel bagage, mais côté nous avons son bagage que nous sommes capables de gérer, nous sommes capables de garder, c'est notre projet qu'on a fait pour vous. Donc, nous avons fait des deadlines dans le projet. Donc, nous sommes capables de vous dire, bon, mais côté monsieur, que monsieur, vous pouvez aller après ici. Donc, c'est ça, nous avons remis pour la communauté, parce que la communauté a souffert un peu. Tout le monde dans la communauté a son seul parole qui gagne. Si monsieur résout le problème de sécurité, je pense qu'il y a un big pass, parce que les gens ont besoin de la famille, ont besoin de ça gagne bien, ils peuvent s'occuper bien de l'autre bord. Moi, je pense que si ce problème de sécurité a résolu, son big problème. OK. Et nous pensons que le gouvernement a dû avoir un résultat dans 90 jours, dans 100 jours? Bon, moi-même, je dis pareil. Moi, je voulais que nous comprenions exactement qui tasse, qui travaille, qui. C'est mon petit bagage petit là. Et c'est pour que nous arrivons au bas du plan, mes plans. Plan que nous arrivons fait même en 30 jours, et que nous arrivons fait même en 15 jours même. Mais il faut que nous arrivions à nous faire 90 jours, parce que 90 jours, nous avons un peu problématique. Parce que si monsieur dit, si on parle de Kounia là, il arrive avec un plan. En nous voyons, il dit que ça peut y appeler Rich Out, tout monsieur Rebellion. Il a disparu avec eux. Sauf façon que vous êtes capable. Somehow, give a solution avec monsieur, pour que monsieur d'accord avec vous. Ou du moins, même le vous d'accord, mais il y a une conversation qui gagne. At least, vous dit, ah, monsieur a travaillé. Donc, au lieu pour dire 90 jours, vous avez dit 90 jours, la situation n'est pas possible, vous avez fait tout le temps. Moi, c'est 90 jours, presque sonné bien, mais réellement, je ne pas penser que vous êtes capable de vous montrer, tout bon, tangible, pour 90 jours, mais nous espérons que vous avez fait. Parce que nous pensons, monsieur, vous avez un leadership, vous avez un pays, vous avez une situation, ce n'est pas qu'on y a vivre, et de toute façon, vous avez une façon, quand même, si ça crée un leader. Ou leader, c'est chercher qui vient pour faire pour résoudre le bagage. Théodore Fayette, vous croyez que vous avez des résultats qui sont supposés commencer par être dans 90 jours, dans 100 jours?
Dans 100 jours, 90 jours, c'est en général un standard de délai que tout le monde a dirigé pour cette le temps. Je pense que ça a pris, monsieur, contrairement à ça, en fait, Franck ici, à savoir discuter avec Roubel, nous n'avons pas de Roubel en Haïti. Nous avons des terroristes en Haïti. Si monsieur n'est pas capable, dans le premier jour, déclarer monsieur Bandi, le terroriste, pas qu'il n'y a pas rien, je pense que c'est important pour nous comprendre. Dans tout pays, il y a des gens qui ont fait des autres. Aux États-Unis, il y a des bandits. Dans tout pays, il y a des gens qui ont fait ça, pas ça. Mais l'État suppose qu'il y a un monopole de violence. Otherwise, pas qu'il la justice, ou pas qu'il mette aucun monde sous contrôle, including tout le monde qui a volé, qui a fait mauvaise affaire en d'un pays. Donc, dans 5 jours, on a plein de monsieur déclaré M. Sao terroriste. Ça, c'est un. Dans la diaspora, par exemple, dans 5 jours, il y a encore, Wendell, je recevais appel de deux personnes qui ont un passeport qui a fait dans Washington, qui n'est pas arrivé fait. Nous avons gros pays ça, et nous gagnons des consulats, des ambassades qui ne peuvent pas faire service à la communauté, qui quittent les gens qui traversent Washington pour des heures. Et puis, on a dit que depuis deux mois, ils ont une application passeport qui est déposée, qui n'est pas jamais retournée. Je pensais que monsieur doit voir les yeux, ça va être difficile, chercher des gens qui sont sérieux, mettez dans l'ambassade pour faire des réformes pour assurer que les Haïtiens sont capables de jouer un service. Parce que c'est pays à pays pour lui, son système qui travaille. Donc, on ne peut pas croire que si on fait ça, il y a artiste ben on signale que dans 100 jours, ça, il y a fait si ça. Ça qui est important, c'est que vous êtes déjà là, vous entendez, nous devons féliciter pour le groupe ça, qui est déjà sorti dans différents groupes différents, qui est pour travailler, mais qu'on est assez établi leadership là et comprendre que l'expérience, quand on travaille, quand on prend une décision, c'est ce qui est important, dans le choix que monsieur a fait pour assurer, que font un choix qui est correct. Avec un leadership qui a mené le pays, comme nous dit, avec pas dans jouet, mais cependant, chaque bandit, c'est déclarer monsieur terroriste dans le premier acte. Si vous pas fait ça, nous ne pouvons pas faire ça. Le nouveau discours maintenant de ces gens-là qu'on qualifie de terroristes, là, c'est négociation. Ils ont baptisé Tetio, une organisation non vivre ensemble, et ils paraissent quoi que. Ça qu'a fait dans le pays, il est capable de changer, moyennant que y aurait les ouvriers chita sous table tout pour négocier. Ou une réaction à ça. Et Wendell, pays, tout pays qui dit aux amis, nous, pays pas des amis, non, il pas négocier avec terroristes. Et nous comprenons bien que gain, en fait, en pile, la population qui est vulnérable parce que y a pas de travail pour faire, y a pas de l'école pour aller, y a pas de monde qui a pour parce que nous avons des monde qui a dirigé nous depuis des temps qui pas jamais occupé de population. C'est pour nous comprendre ça. Mais cependant, pendant que nous avons dit que monsieur yo, qui chef bandit yo, qui a pris des chita yo, c'est pas yo qui voyage et vient des États-Unis chercher des amis. C'est pas yo qui gagne cobla qui a pris un balou chaque jour. Dans pile complice. Mais d'abord, c'est pour déclarer monsieur terroriste. Kembeyo, si vous voulez négocier, si vous avez arrêté, vous voulez dire exactement côté armes qui sont côté balle qui qui fait que le pays s'est tout en fait pour Haïti. Oh. Donc, vous pensez que c'est un bail qui est très erroné, vous avez dit pas chita avec des gens qui ont fait des ordres, qui tuent les gens, qui assassinent les gens, qui kidnappent les gens, qui fait le pays ça. Et je vous dis à Wendel, la pande, si vous goûtez la paix cabine là, combien de professeurs crétés, combien de médecins crétés dans le pays, combien d'ingénieurs qui sont là pour payer un service. Pays parfait hey. Sans monde. Bon. Foki, on va ajouter. Et... Il faut ajouter. Parce que dit, alors là, moi, un peu différent de Fayette. Et puis, ça, nous pas vraiment différent. Non, mais femme dit, nous, moi-même, il y a des fois, il faut qu'on ait une situation pour y être. Et moi-même, je travaille militaire, c'est job. Je travaille militaire, c'est bon. Je travaille militaire chaque jour, dans différents niveaux. Et l'homme de militaire, regardez, whatever. Et moi, c'est comprendre nous bagarre ou des qui gagne zam à bon des qui pas gagne zam. What's going on? Ça, c'est une. Deuxième bagarre, moi, c'est comprendre. Ou bien, par exemple, ou bien, force internationale qui dit que le Gabab vini pour l'aider. Et si on vini ou pas, parce qu'il faut qu'on compte une discipline. Si on pas vini de ou, ça va faire. Et si mon sa vini de ou, comme nous, ils sont aux États-Unis lui-même, lui, il veut pas. Et l'autre boa et Afghanistan, whatever, en Irak, et lui dit que monsieur, mettez-vous ensemble, résoudre le problème. Non. Parce que nous avons arrivé et nous sentons que si vous venez pour résoudre pour nous militairement, il nous a coûté trop en termes de relations et public, donc pour nous, il faut que bon plan. Donc, plan pour nous, là, c'est vrai que vous faites ça pas bon, c'est vrai,
Mais il faut nous arriver pour nous gagner deux plans pour nous dire que si jamais la force multinationale n'a pas venu, elle kick les out et qui plan nous pour nous là, il faut nous capable chita nous parler avec eux. Donc, le chita parler avec eux, peut-être que nous sommes capables de dire si nous avons un premier réponse que nous devons avoir avant. Commencement, depuis que nous avons là, nous sélectionné pour mettre sous pour mettre pour diriger avec eux, pour commencer à faire une différence pour nous associer des gens crédibles, pour nous arriver, pour penser que. Parce que moi, je pense alors, Frankie, attendez. Monsieur Fayette dit lui-même, même avec pays qui dit aux amis, on ne négocie pas avec les terroristes. Il faudra les déclarer terroristes. Ou même on dit que nous sommes capables de négocier avec eux, nous sommes capables de chita parler avec eux si étrangers n'ont pas venu. Ou bien est-ce que mal comprendre ça dit? Oui, parce que nous c'est idée nous fait maintenant, gain deux solutions. C'est idée il faut dire beaucoup ni là, moi gain une offre moi gain prend l'armée d'Haïti avec police, idée moi chercher des armes dans l'autre pays baio pour capable priver pour capable combattre monsieur. Petit monsieur là, tant que gain des armes là mais aux armes lourdes comme ça là mais sont chargés. Mais si pas ça fait pour ni à qui choix qu'on gain encore. Que si vous pas arrivé pour atlis pour parler pour être capable parce que n'est pas arrivé au baïzam comme ça il dit mon chemin c'est dans notre situation faut nous garder pour nous bagage sécurité il faut que nous aller avec lui faut nous penser faut nous élargir plus moi connais en pile monde c'est ça il dit pour nous faire relé monsieur terroriste mais ça pour en prison pour pas jamais sortir côté rien peut-être son possibilité mais si nous pas faire tout parce que nous pas prêter comme ça pour nous faire 2 3 ans là. Et pourquoi on a mis d'espoir sur les forces étrangères, mais si les forces étrangères n'ont pas délivré ou bien, s'il n'y a pas, il n'y a pas les 1000 polices kenyennes, il n'y a pas de capable de faire trop de bagages dans 1000 polices. Donc c'est ça pour nous garder pour nous. Et next, si on vient de l'Abdou Mouchon, il faut qu'on chita sur la bouche. Qui j'en a chita pour nous parler, qui condition qu'a bien son notre affaire, nous avons espéré que si monsieur a fait, nous sommes clairs avec la communauté haïtienne, nous avons dit, mes amis, mais qui ça nous a fait, puis faire nous prendre ça. Ok, Frankie. Franck, moi insiste pile sous force internationale. Et ça qui est de semaine quoi White House là té voye question pour moun t'a fait meeting avec communauté White Salté. Nous te posons une question et peut-être m'a proposé là. Mandé White House là. Pour qui ça cob yo vle voye par Kenya pour venir Haïti. Yo pas prendre d'abord chercher côté police haïtien fait bin là. Grand pile qui bin là. Grand pile qui de bonne foi. Rassembler rassemble yo prend comme ça yo pas besoin yo compte terrain et yo compte travail yo gen formation seulement ça yo besoin c'est on garantit que bon chef qui va on l'ordre avec zam pour le travail ça c'est yon. De deux gagner vétéran haïtien en pile nan yo d'accord tout bay coup de main pour résoudre problème si nous dit nous gen pays qui dit aux amis nous yo ka ban nous petit coup de main ça. Le monsieur Ukraine, yon vétéran yon allé, yon aide pays yon, monsieur fait mes yeux. Le pan yon dit que yon pralan Haïti, pour yon capable alba y koupen, yon dit yon a peu bénéficio. Et ou même ou travail militaire, et ou comprenne ça, Franky. Mais ça pays d'Haïti, yon kouel yon là, c'est des problèmes que Haïtien ka résout. Et moi même m'amuse tout le temps moi police. Police qui l'a depuis longtemps. Police bini, vous posez une question ça. Est-ce que police ça ka résout le problème? Yon dit oui. Mais qui est-ce qu'a bayou l'ordre? Qui est-ce qui a pas direction? Nous connaissons que nous sommes critiqué le gouvernement Ariel pour des temps parce que nous dit que c'est lui-même qui détoléré. Mais ça, c'est l'autre gouvernement. Mais le gouvernement, ça a monté là. Monsieur, ça, est-ce que c'est lui-même qui parle dit international qui s'est ouvert pour faire dans le pays ou bien c'est international qui parle dit exactement qui a pour résoudre le problème? Je pense que si avec terroriste, oui, il y a un nègre qui peut être entré dans le mouvement mondial sans que il n'y ait pas de entrer. Il y a des grands groupes, il y a tout le bagage. Ou capable de faire un triage. Pas presse. Il y a des gens qui méritent amnistie. Mais les nègres, je pense que clairement, qui tue les gens, clairement, qui fait ça, que vous connaissez, je ne crois pas que vous êtes capable de chiter avec vous. Vous faites qui ça? Bon, et Théodore, et Fahid Mabdou, moi, je pense que vous chiter. Parce que vous avez dit que vous avez quelques mots là qui attirent l'attention. En un mot, vous avez été capable de venir. Parce que sans dire, peut-être, ça, c'est pour vous qui facile, mais si vous avez aidé, vous avez aidé, ou du moins, gain volontiers qui capable venir venir fight mais ça m'a prend temps pour mettre en place et non seulement la prend temps l'on OK faut dire combien de temps la prend pour police qui fait venir là qui peut combien établi aussi qui a changé job avant même chercher la petite bonne essayer commencer dire est-ce qu'il a prend risque ça est-ce qu'il va aller
Est-ce que vous avez des armes? Parce que vous avez si même si vous prenez pas des armes, si vous Oui, mais Francky, Francky, avez par rapport. un hélicoptère gunship, ou l'université va lancer des bons armes. Mais si vous avez des armes, nous, les gros armes, parce qu'on a été nous. Mais vous avez pas des armes pour vous là, du tout. Donc, il dit que si vous avez des gains volontés, vous voulez pas des armes, vous jeunes messieurs, mais la petite temps. Parce que pas aujourd'hui, on dit ça, et puis tout le monde est pour un vieux mini. Francky. Avant pour parler avec vous, pour faire décision, pour construire la famille, pour mettre vos forces en place, pour attaquer monsieur. Francky, on dit que vous même travaillez en pile avec des militaires et des regardés encore. Est-ce que le dossier Haïti, vous entendez ou abordez? Bon, moi, pas. Femme dit, non seulement, moi, pas. Moi, pas. Non, pas femme dit, parce que ça, c'est pas un bail que nous avons commenté sur lui. Ni c'est pour un dossier abordé, mais les militaires pas abordé ce dossier ça yo. Et dossier ça yo, c'est dossier, c'est département pour capable dire, pour capable parler là-dedans avec CIA, c'est pour un dossier militaire capable et abordé. Moi parler plus dans le sens que vrais armes tout bon côté armes à tirer tout bon, parce qu'il faut qu'on prenne l'arrivée qu'on a nous est sacrifié à Afghanistan. Et ce n'est pas pour les Américains, là où c'est là dans même tête chargé. Le bon groupe, sous bon groupe, il y a un peu de prise en Haïti, il y a un peu de caché. Donc, les gens ont dit, mon cher, on a cassé. Après deux, trois mois, mon cher, il ne faut pas l'appeler. Parce qu'il y a tout ça. Et là, ça, même faut qu'on plante, qu'on ne peut pas l'appeler. Moi, je n'ai pas de problème du tout. Moi, tout le monde a fait ça. Ok, maintenant, nous, est-ce qu'il marche bien? Francky, on n'a pas l'impression que nous avons tourné autour du pot. Qui ça vous souhaitez vous-même? Vous souhaitez que haïtiens, policiers haïtiens et militaires haïtiens résoudent le problème non? Ou bien vous obtenez étrangers à venir coup de main, Jean Nouvel le fait quoi là? Bon, Mabdou, moi c'est un monde qui remet des data là même pour m'analyser. Et moi ça vous a passé depuis longtemps, monsieur, à bas problème. L'antique groupe commence là, de village de Dieu, on va avoir 15 bail bloc, il va pas capable résoudre lui. Tout côté qu'on y a même pas de venir que ça use complètement. Qu'on y a si pas un changement de leadership qui fait en Haïti qu'on y a pour force police ou bien pour force armée d'Haïti pour ou bien qu'il y ait plus d'armes pour dire pour aller battre monsieur ça yo ou des résultats. Donc, et nous pas appeler à Ford pour nous faire des choses pour le mal passé. Okay. Et pour nous laisser deux ans pour nous appeler les mêmes problèmes. Ok. Donc, ou même position par où, ce n'est pas une question d'intervention, ce n'est pas une question de déploiement de troupes étrangères ou pour un changement de leadership en Haïti. Correct. Je pense que ça a payé. Ok. C'est point de vue pour Fayette? Non, mais absolument. Et dans le moment, ça, oui, tout le monde prend ça, ils sont pas qui élémentaire. Ou changer tête gouvernement, ou bien entendu, mettre tout le monde là-dedans, qui c'est correct comme démarche, pour ne pas choisir un monde qui est dans tête groupe là pour coordonner le groupe là. Mais pas qu'on ait une police là qui besoin de venir gagner confiance en tête. Et monsieur, il y a des gens qui sont directeurs de police qui ont confiance, policiers qui ont travail. Il y a tout pas bon, tout, mais c'est mauvaise affaire. Parce que affaire, il y a des responsabilités, parfois, il y a des gens qui ont passé par un avec lui, ou investiguer ça, ou identifier ça. Et puis, il faut venir avec des gens qui sont capables, en mesure, pour que d'abord, que force police fait confiance, ensuite, il y a une crédibilité, que vous voulez faire un changement en d'un pays, que vous n'avez pas associé avec M. Bandissa. Donc, ça veut dire que il y a une collusion qui fait entre, et il y a raconté, qui n'est pas prouvé, entre. Responsable avec bandits, parce qu'il racontait que le monsieur pour faire opération, il y a un monde qui fuitait pas en bas. Donc, pour quelques raisons que dit, vous avez besoin de changement de leadership pour permettre que vous avez un monde qui a de nouvelles idées, qui vient avec un plan, qui a une crédibilité police. Et ça fait ma répéter encore tout. Et Francky a parlé de force qui pour aller chercher monde à droite, monde à gauche, alors que policiers qui fait venir là, ils sont disponibles et me pensez que à bon pourcentage qui t'a voulu entrer. Et dans le système moyen, quand même, pour avoir des conditions qui ont fait ou garanti que vous pouvez faire changement dans le pays. Parce que nous, tout haïtien, nous voulons le pays à changer, mais est-ce que nous avons un leadership qui travaille pour nous, qui a pensé pour nous, qui voulait mener le pays dans la direction que nous voulons? C'est question à ça. Donc ou même à ce niveau-là, vous retrouvez Francky Louis, vous retrouvez lui, sous question de leadership qui a dû changer. Même besoin de précision. Est-ce que nous pour tout simplement au changement de leadership et que Haïti
assumer responsabilité li, que c'est haïtien yo qui combat gang yo au lieu que ces troupes pour déployer en Haïti. Bon, et qui doit répondre que ça fait et une bagne fait nous comprendre. Moi pas parler soit fait 90 jours que nous respect pour changement 90 jours. Mais ça me fait nous comprendre monsieur. Moi même si nous sommes là depuis combien de temps pas de changement fait, on comprend nous manque leadership. Qu'on est là, vingon, si bon leadership sérieux, ou bien n'est qu'on est là, malgré le critique, il dit, monsieur, qu'on a cassé, qu'on est assez mon grand chef, m'a fait un bagaille, pour petit moi, m'a prouvé, communauté haïtienne, pour le peuple haïtien, m'a prouvé, yo, que ça a dépensé de moi et pas allié, m'a pris un bagaille au sérieux. Moi, pensez au café, mais est-ce qu'il y a une offre police pour faire? Parce que si n'a pas un bagaille, qu'on y a peu près pas 2 ans ni 3 ans, est-ce qu'il y a une force pour faire? Parce que je regarde moi, et monsieur fait tout effort pour empêcher les rebelles de rentrer dans le palais national. Ils sont là, ils sont coordonnés, ils font. Mais là, il y a un petit groupe par Matisse, un petit groupe par Iso qui a fait un petit macaque de l'autre bois. Pourtant, il y a un peu de 500 policiers ou 1000 policiers qui vivent là, et puis il y a quelques centaines de quelques millions de dollars, par information. Peut-être que ça a tué et éliminé pour suspendre ça en Haïti, il n'y a pas de faire. Donc, c'est un peu de là, mais ça a information, ça nous gagne là, il faut dire que les gens ne peuvent pas faire. Donc, Théodore parle des plans de l'Orobaï, peut-être joindre quelques policiers, ces policiers ou bien des volontaires. Je suis d'accord avec lui, mais est-ce qu'il y a assez? Est-ce qu'il y a assez? Est-ce qu'on gagne ça à l'eau pour bailler tout le monde? Donc, c'est ce qu'on a pour nous poser. Peut-être que c'est mon nom envisage tout le bagage avant même nous envisager une force étrangère. Parce que force étrangère, il n'y a pas de. Ou même peut-être pas de même, pas bon mentir. Peut-être pas de barre. Oui. Donc, c'est pour nous. Parce que c'est qu'on n'a pas l'éclairé parce qu'on n'a pas dit l'avant. Donc, c'est là nous comprendre que même ou pas pour faire troupe étrangère. Mais on pose une question, on pose une question sur. Effectif là d'après ou même ouais. Quantité moun ki ale à l'étranger yo capable pas assez mais est-ce que bli oublié que gagnent d'autres vétérans qui ont même manifesté intérêt pour rentrer en Haïti, ça c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'on oublié tout que quantité policier qui là qui paraît pour goumer en tout yo pas piti jan pile moun pense là et puis là mais en tout avec ça y a comme effectif là, en plus le monde qui croit que si on jeune l'ordre, si on jeune moyen pour ça, il y a Goumé, parce que jusqu'à présent, pas oublier que le Kenya, c'est 1000 policiers que l'a annoncé que l'a voué en Haïti. 1000 policiers, pas rien, forme de ça. Si on dit qu'on soit parlé 1000 soldats américains, on connaît qu'on va venir au crime pays à vous. Mais 1000 policiers Kenya, Mbakwe, monsieur, on va faire too much. Donc, tu dis que moi-même, je ne vais pas dire, ça me donne son plan. Mais moi, je believe mon plan. C'est trop longtemps, les politiciens Haïti qu'on passe. Ils sont venus à prendre pour le président, ils n'ont pas un plan. Ils n'ont pas de dire, mais qui ça pour guider. Mais quand ils vont mettre payer en 2 ans, quand ils vont mettre en 5 ans. Ils savent en taille pour les gouvernements, pour un plan bien détaillé, dit, mais qui ça a fait. Plan fait là, moi, je ne vais pas mettre en ligne parce que je ne vais pas mettre après en ligne. Et qui possible, je ne vais pas dire possible. Parce que quelques soldats américains, moun qui habitué bataille tout le monde. Si mes ça pas gain training à ça va dans bio, on pas bon menti, nek ça c'est pas moun qui capable à faire gain, nek c'est pas oui pour camp bio là 2-3 jours là ou presque clean gachi. Et plus et pas peur dépenser même quelques millions de dollars pour bay moun yo bride pour ces les moun bon côté yo écouter après une bonne toute information. Donc moi ils ont avec petit John là fait macaque. Donc petit John ça va moun quand même acheter qui n'importe côté. Donc ils disent que son jouet petit moun. Donc c'est ça nous besoin faire, li capable faire si la mettre si ça ou le faire mettre en place et puis rive kouni là si a mande aide boy site pour pas faire des missions yo moi organisation moi gen l'organisation bien avec yo n'a lancé message là donc moi même nous pas capable faire une position pas moi pour pas gain problème mais on nous garder pour nous côté capable recruter monde qui capable venir dans next mois ou bien next 2 mois nous connaît que nous on force en place pour mettre pour silence. Donc vous pensez que vous avez un rôle qu'on a dans ça? Sont pas un pico trop pour pas perdre du job ou par exemple? Bon, généralement, moi même c'est pareil, moi pas capable, moi c'est pas un bagage là dedans. Ok. Même dans ce temps pour nous là, ça pas empêcher que moi pas nous aider véhiculer message là.
nous avons l'organisation, nous sommes bien avec vous. Et son bagage qui concerne tout haïtien, ou pas d'accord avec ça, par exemple. Tout haïtien qui croit qui croit une personne sécurité dans le pays. Ok, Théodore Fayette, un mot. Ok, parce que Francky, problème dans son problème d'État que dit. Il n'y a pas de problème communauté, groupe, mon à droite, groupe, mon à gauche. Monsieur, montez dans le conseil là, ou pas le mettre, il y a un coordinateur, il y a un président, quelque chose à cabler là. C'est pour prendre responsabilité pour faire plan par eux. Parce qu'en tant que il y a un expert, il y a un militaire, un général, en tant que il y a qui compte terrain, et je ne crois pas que monsieur gagne ça, avec toutes les âmes qui ont gagné, soi-disant. Il y a des âmes. Monsieur Président, monsieur, il y a un militaire qui a une technique, qui a une technique, peut-être qu'il y a des âmes, il y a besoin de mettre la police en position pour le travail, mettre en confiance, avoir des garanties, et puis mettre les militaires sous pied de guerre, en mise à eux. Les gens qui disent bien avec nous, ils demandent ça nous voulait comme aide pour résoudre le problème. Entre temps, comme nous disons, parmi les policiers qui font bien là, qui entrent déjà contre terrain, la plus facile pour faire un job qui est efficace que la chercher Kenya. Dans le monsieur militaire qui est vétéran, ici, qui connaît terrain un peu moins, monsieur qui a une technique, si vous travaillez avec monsieur policier qui est training, si vous voulez, vous pensez que haïtien sorti dans le leadership en d'un conseil là, pour paraître pour un plan haïtien, haïtien qui a résolu le problème. Donc, je pense que la diaspora a tant de sécurité, la pour le pays a redémarré, un pays comme nous qui finit de vider pour aller là. Son mari qui fait mon crier. Les graves. Et puis, son mari qui est tout. Moi observer question sécurité a était la principale préoccupation de tout le monde. C'est ça fait avec un pile d'émotion et n'a pas réalisé que. Une bonne partie dans la première partie émission est consacrée à lutte contre l'insécurité, comment répondre aux gangs, quel choix faire aujourd'hui, déployer des troupes étrangères en Haïti ou encore renforcer les forces de police qui sont sur place. C'est ça, je suis capable de dire, en quelque sorte, qui dominait pour une partie émission pendant que Théodore Fayette, lui-même, bon côté, parle, il croit que. Le gouvernement en place t'a doué déclarer monsieur terroriste ce que yo pas jamais réellement fait déjà. M'a invité nous monsieur pas déplacer rester le temps pour moi observer pause là et puis n'a tourner. Le tourner bon l'autre aspect toujours que nous capable aborder c'est l'implication par exemple de la diaspora dans l'insécurité. À travers volume ZAM qui a sorti aux États-Unis, notamment pour qu'ils rentrent en Haïti, comment problème ça capable d'adresser quand nous connaissons, nous avons critiqué étrangers, américains qui ont quitté ZAM passé, certes, mais ce n'est pas eux-mêmes qui voyaient ZAM en Haïti, c'est nous-mêmes encore qui voyaient ZAM by nous-mêmes en Haïti. On souffre une petite pause et puis on retourne tout de suite pour aborder et analyser les points ça que nous avons évoqué il y a quelques instants. Théodore Fayette, Francky Louis, c'est un plaisir pour nous entendre. Merci encore une fois pour disponibilité non à Radio et Télémétropole. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le temps de la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissaloto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Nos invités, Théodore Fayette et Francky Louis. Insécurité que n'a expérimenté là, malheureusement en Haïti, t'a gagné un pile monde qui un pile secteur des cas dit qui implique la donne. Mounio ouais, monde qui dans la rue. Chef bande criminelle yo et puis avec leurs soldats yo et tout moun qui a financé yo moun qui a bayo moun qui a bayo zam moun qui a permettre que yo joine munitions bien que gen des moun qui dit que gang yo autonome parce que gen qui commencé seulement avec un 38 ou 9 mm, yo jwenn d'une façon ou d'une autre par accident ou bien chercher posséder li pour continuer pour faire travail pa yo avant que bagan vienne dégénérer vienne prendre ampleur. L'autre secteur c'est gros chabra qui fait politique, gros chabra qui gagne l'argent qui permet que monsieur fonctionne. Yo un autre secteur encore qui connait utiliser service monsieur sa yo pour ba yo sécurité personnelle.
Yo accusé tout l'international qui yo même pas prend de grandes dispositions pour empêcher que ZAM traverse les frontières, rentre en Haïti, mais dans le même temps, en pile monde longé doit être sur des éléments de la diaspora qui yo même tous ces yo à cause de volonté que yo gagne pour faire l'argent facile, yo acheté ZAM yo peut-être à $500 à $700, il va le venir à 3, 4, 5 000, 10 000 dollars et en Haïti. Ils ont accusé tout le monde ça, qui est dans la diaspora qui a voué des amis en Haïti. Docteur Fayette, nous avons une réaction à ça. À critique ça. En fait, vous parlez de monde qui a besoin de faire l'argent. Je pense que ça est plus compliqué que ça. Et je me dis tout le temps, je ne sais pas si est capable de même. Achetons des âmes, montons un avion avec l'Haïti. Mais s'il est capable lui-même, achetons des âmes, mettez-le dans le conteneur pour l'Haïti. Mais je connais que si tu as des gens qui ont besoin d'acheter des âmes pour aller pour ma bandit, il y a qu'un bébé. Et nous, un pays qui est très sophistiqué, il y a une capacité pour détecter des âmes dans le conteneur qui sont ici. Ça, c'est yon. De deux, nous gagnons des âmes qui entrent en Haïti. Ils entrent soit par frontière dominicaine, soit par la douane, dans le port ou bien dans l'aéroport. Donc, là encore, tout, autorité panouyo, ça c'est pas le job conseil là, nous avons mis un jour pour nous détecter les amis qui ont entré pour exactement, parce qu'ils sont en train de payer d'une façon ou d'une autre. On a parlé de nègres, ça a dit, et haïtien, ça c'est vrai, ils ont une combinaison en tout. Et est-ce que c'est pour faire l'argent seulement? Mais est-ce qu'il y a une complicité avec les gens qui sont dans le pays qui ont besoin de créer l'enfer à Haïti? Et je pensais que. Et pays d'Haïti n'a pas dit tout que bandit, c'est haïtien tout. C'est mounio et tout, yo gen futur dans pays. Peut-être que pendant que n'a dit yo terroriste là, yo ta gen pour juger peine yo dans prison pour ça fait pas bon et moun qui te gen des conditions atténuantes qui te permettent d'entrer là-dedans tout, juger ka yo ka pa ka pour ba yo, yo amnistie si amnistie besoin. Mais avant arriver là, faut avoir une bonne justice, faut qu'on force pour arrêter les gens, faut avoir des juges capables de prendre des décisions qui sont correctes, qui ne pas aller dans le sens pour faire les gens mal directement, mais juger d'après les actes que vous faites et permettre un avocat pour défendre vous. Et c'est là, nous, c'est là la bagarre compliquée. Pour M. Conseil, capable de arriver, prendre des positions qui sont claires dans le niveau port aéroport, dans le douane, côté des amis à entrer, et peut-être. Si c'est difficile pour nous joindre que pays qui examine, que des amis absoutis, ils ont même fongé fort tout, mais nous coûte pas. Dans ce sens, mes responsabilités, c'est pour haïtiens liés, pour assurer que les frontières nous contrôlent. Et c'est là où tu as posé le problème de leadership, des mouns qui viennent avec un plan qui dit qu'il y en a empêché les amis de passer Saint-Domingue pour entrer dans n'importe où prince, qui en a empêché d'entrer dans le port aéroport pour bandits, ça, suspendre, joindre, en fait, matériel pour continuer à terroriser la population. Donc, je pense que c'est un gros challenge que lié, mais cependant, c'est de poser tête, solution, nous sommes capables de joindre, et en moins de 90 jours, nous sommes capables de sentir qu'il y a fait une différence, mais d'abord, pour que nous ne pas entrer dans la complaisance, Jean et Franck qui m'ont dit là, chita sous table, pour négocier qui ça? Bon. Donc, question, ça vous pose, vous posez tête au lieu, mais vous posez là, Francky? Non, Francky, pour négocier qui ça, Francky? Soit pour négocier avec vous. C'est vrai, nous avons différentes conceptions des activités qui sont pour résoudre. Parfois, c'est une règle de la politique. Des fois, nous avons une bonne idée, nous avons pas aimé l'idée. Nous disons, bon, puisque le candidat s'acte, parce qu'on a une situation qu'on est là, ou avons des points qu'on élabore sur ce que nous réellement aimé. Parce que le problème d'âmes, c'est un qui est complexe, c'est pour moi que nous capables de comprendre tout le monde. Moi-même, je suis capable de plus d'informations pour la nouvelle. Moi-même, peut-être pas, réellement, je ne comprends pas les âmes. Parce que nous avons dit ça, nous avons fait des âmes passer par Saint-Domingue, nous avons fait des âmes qui viennent pour des âmes, nous avons acheté des âmes de l'autre côté. Pas forcément dit que c'est le marché. Et il y a des gens qui ont trafiqué les âmes. Donc ça, nous besoin pour nous là, nous besoin arriver pour nous gagner une sorte de commission de pouvoir aujourd'hui. Moi, pas pour nous maintenant, mon qui soutient un cap bataille pour nous là, pour me dire même mot parce qu'il y a tellement de supporter. Mais si au bon point qui bail qui bon tout, faut nous apprécier, prendre ça, faut nous prendre, nous mettre en pratique, parce que pour nous éliminer problème ça, depuis qu'on est là, faut nous commencer capable arriver identifier mon qui cause problème ça, et puis montrer mon ça clair que nous parlons jouer avec eux.
malgré tout ça, je suis déjà rentré, déjà, je ne sais pas comment je vais rentrer là. Mais si vous montrez que exactement vous avez un leadership, vous avez un courage, parce que vous ne pouvez pas lâcher tout. Et vous avez dit, c'est bien malheureux, tout le monde a besoin de président en Haïti, c'est rêve, mais tout lâche. Je regarde le président de l'Ukraine, les Américains offrent pour ouvrir un avion, ils viennent prendre, ils se disent, non, pas besoin d'avion, c'est des armes besoin pour le bataille dans le pays. Donc, je regarde tout le monde qui a un leadership, ça, pour dire que ça, you know something, nous sommes capables de mourir, mais c'est une décision, c'est le bon pays, c'est lui pour me prendre. Et par exemple, ça, c'est complexe. Mais si l'homme doit être complexe, c'est complexe. Je crois que l'Amérique est capable de faire pas, qui est capable de tout. Mais il y a des gens qui ont entré légalement. Et d'abord, c'est les bandits, mais je ne vais pas attendre des paroles bandits pour eux. Sans blesser même la police, ils ont acheté des munitions encore. Donc parfois, nous avons arrivé à cette situation-là. Et moi, j'ai une conversation que je prends avec quelqu'un, je ne vais pas dire qui est-ce. Côté Kounia, là, que monsieur Faure connaît que. Il y a arrivé à démentir. Et là, il y a démentir. Il y a une preuve, il y a une évidence. Parce que tout ça qu'a fait, il y a une information qui a gagné. Nous, 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 arrivé, chaque monde dit pas, c'est Américain qui baille, c'est nous-mêmes qui baille, c'est bon ici. Mais il faut me dire ça, par exemple, ça, c'est lui-même pour nous présenter. Il y a un leadership là-dedans pour montrer côté au pralé, faire nous connaître, mais ça l'a fait. Et il ne faut pas oublier, dis-nous, pour nous parler à tout. Et si tout le monde, nous aimons la sécurité dans le pays, nous sommes après du valier, on dit qu'à ma coup de paradol. Si M. Bandi, ça va faire un pile trop tout bon. Mais il ne faut nous pas oublier, pour l'amour du pays, pour nous progresser le pays, puis devant. Même là, on est capable de juger demain si Dieu veut, on prend peine pour ça faire, mais il faut nous prêter pour nous capables de chiter peut-être. Parler avec eux, ça va bien nous parler avec eux, dit mon cher, moi, connais tout, et moi, vice-président, moi, pour ici, mais parler avec ces messieurs, pour connaître qui façon ça va chercher, qui... parce que c'est une façon pour faire. Mais si Blandi fait, je dis, on va le faire. Et c'est ça, m'a dit chaque monde, si Américain vient aujourd'hui, il regarde la situation par la marche, il dit ah, monsieur, il faut dégager une balade, monsieur. Tout le monde va le parler avec eux. Mais pour qu'il s'en ait plus qu'il y a une bachita, une balade, monsieur, même si ce n'est pas eux-mêmes, dire que monsieur. Si Américain ne parle avec Bandi Lakali, pour qu'il s'en ait besoin de venir dire que monsieur Bandi. Bon, pour qu'il s'en ait besoin de venir dire que monsieur Bandi, si il ne parle pas Bandi, si il ne parle pas Bandi Lakali. Bon, nous ne parlons pas, il va y avoir un contrôle. Et même si nous ne parlons pas, mes amis, ça n'a pas son Haïti, il n'y a pas pour qu'il fasse passer dans le monde. Non. Nous ne pouvons pas penser à une solution haïtienne. Regardez pour l'autre côté qui a un problème, ça, qui est au deal avec eux. Peut-être que nous avons une belle idée de qui est au deal avec eux. Ça, c'est vrai. Ok, ok. Bandi, proposition. Est-ce que ça, Salvador fait? Oui. Yeah, mais, ok. Alors, qui a le résultat, Franky? Qui a le fait? Il parle avec nous, il offre une carotte. Non. Il fait prison, il met un peu de monde en prison. Mais là, il n'a pas accepté ça, il discute, il n'a pas accepté. Parce que, il n'y a pas une opportunité. Si il n'y a pas une opportunité, il n'y a pas d'offre avec eux. Et c'est comme ça pour lier. C'est comme ça pour lier. Mais parfois, il n'y a pas une opportunité. J'ai dit, monsieur, il n'y a pas de problème de machine. Pas de problème de machine. C'est un petit peu de ça, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu de crise, il n'y a pas rien du tout. Qui résille, qui n'a pas peur, qui. Il connaît bien à mourir. C'est des mots qui ont perdu la prison. Il faut que vous clair pour nous, vous faites connaître que toute gang, c'est l'idée que ou pour des âmes venir, ou bien on mourir, ou bien on fait tout le monde en prison. Il faut clair avec les gens, ou pas l'arrivée. Puis vous dites, non seulement gang, vous êtes là, il faut que vous clair tout côté, il faut qu'on ait une commission pour connaître côté des âmes qui sont sortis, qui est-ce qui va y aller, qui peut y entrer, pour qu'on ne puisse pas faire ça. Parce qu'autrement dit, et parce que l'homme prend bandit, on pense que bandit éclairé, ou bandit à cravate, ou même, il est supposé qu'il y ait plus de peine que tu mets sur ça. Parce que lorsqu'il va au bas, vous connaissez exactement ce qu'on va faire ensemble. Donc, pour la forme, nous avons fait un tout. Si le pays a quitté le conseil, la retourner répéter encore. Il faut nous faire un bagage pour ranger, pour ne pas retourner en Haïti encore du tout. Nous parlons tout de complicité, la police. Ça arrivait dans notre pays que la police s'impliquait dans la gang. Maintenant, Jean Capanon est là. Est-ce qu'il n'a pas mérité une approche spéciale, une approche particulière? Depuis que commencé à arriver, tête de la police là, c'est tête de la police qui a commencé à changer correctement. Ou d'abord, un paquet, n'a pas de leadership. Et si on regarde, même son corporation, on a un nouveau président qui a monté, un nouveau leader qui a monté, il a changé le staff ça, il a mis le monde, mais il a mis le monde, il a mis le monde crédible. Quel monde même ici qui pourrait vous aider? Ça a fait mal là. Et qui garantit qu'on gagne, que le monde soit pour le faire venir, pour remplacer. Ça, là, et que le papa le reproduit ou bien fait plus mal. Non, mais c'est ça, ça a mis avec vous.
Parce que gros équipe monde qui est en belle position depuis ici. Ce n'est pas arrivé pour expliquer le monde ça. Yo, bien que tu as bien content de venir des pays, ou bien de travailler comme consultant pour le pays, consultant de sécurité. Mais le groupe MSSA qui finit corrompu, c'est retiré. C'est parce que pour ce changement, faire avez besoin de leadership, complète new leadership. Peut-être que vous avez quelqu'un qui décide de lancer, mais ça la grand pile ici comme Haïti qui a une expérience police, qui a une expérience police, qui est capable de venir, qui aide pour reformer la police, la police qui réellement. Et qui est réellement là pour le servir. Parce qu'en plus, le monde pense, en Haïti, le monde pense qu'il est entré dans le service du gouvernement, la police, il pense qu'il est riche. Dans tout pays sérieux, aux États-Unis, c'est ça pour servir. Le monde qui travaille pour le gouvernement, pas respecte, ou pas faire comme là dans le millionnaire. Ou pas faire comme, ou connaît qui comme il y a bas, ou faut accepter comme il y a bas. Donc, c'est tout bagaille pour nous garder ensemble, pour faire une étude compréhensible et pour venir pour une législation. Théodore Fayette, complicité de la police, comment réagir? Bon, je pense que dans toute police, including police États-Unis, dans tout pays, il y a une mauvaise police. Non. Et on a assez de police qui a un système d'investigation, chaque coup, il y a un système d'investigation par eux, pour être capable d'identifier ça par bon, ça par eux. Et j'ai offert l'opération, tout, il y a un certain secret dans les démarches pour empêcher que ça par bon, yo, capable d'arriver contaminer le travail qu'après. Et je pense que oui, il y a une police qui n'est pas bon, mais cependant, il faut une formule pour identifier. Ça m'a pris pour expert. Mais quand tu as pour Francky, il y a tendance comme si entrer dans la logique, parce que il y a tendance à dire que la diaspora, et parfois, il y a une solution à des problèmes, et parfois, la diaspora n'a pas compte terrain tout, parfois, il y a overestimé la capacité, parce que il y a des qui compte terrain. Je pense que bah, il y a priorité à monde qui a expertise sous terrain. Chercher des gens qui gagnent en fait capacité pour qu'on s'appelle ça ou t'appeler, mais des bagages qui pas entrer comme si dans une situation côté que nous ambigu dans le genre de résoudre problème. Parce que quand il a dit oui, en chita n'a pas dit ça ou vle, après si vous parlez de l'association nationale. Moi, je pense que la loi, c'est la loi. Bandit, c'est bandit. Que bandit a, c'est police. Que bandit a, lui-même son bandit pour col. C'est qu'un bandit a pour dire exactement qui est. Qui bandit à Kavata, parce qu'en pile fois, bah, la noyée, conversation, elle a parlé de bandit, yo noyé, n'a pas parlé de bandit à Kavata, pour yo pas identifier le problème, non, et chercher solution. Et nèg tout, qui est capacité pour vous examiner en d'un pays, de diaspora, et tant, qu'on le paye et tout. Mais, m'te dit déjà, m'te dit, Franky, m'est pas capable pour un exam pour m'bin à Haïti. Franky pas capable à chercher un exam pour la Haïti, il pas capable de mettre dans le contenu, il compte ça. Donc, ça veut dire que, nèg cap fait ça, il joue une tolérance côté, et malheureusement, qu'un pile haïtien, travail contre pays. C'est pour les amis, il y a le temps pour bandits à connaître ça ici en lien, pour en fait police qui corrompue à connaître ça ici en lien, pour haïtiens qui ont cherché l'argent. Ça ici en lien, nous besoin de pays ça parce que nous pensons que pays ça est le seul pays que nous gagnons, même si nous traversons l'autre côté, nous prenons nationalité, nous travaillons. C'est une prise de conscience qui pour faire, même penser que leadership là, monsieur conseil qui là, qui déjà sorti dans différentes tendances, c'est pour yo, by, un exemple, mais Bali de ton ferme et fort, pas chita vina. Compromis, otherwise, n'a pire en rond, n'a pire tout rond. Et Wendel Mabdou, si 90 jours, n'a pas de signal clair, qui direction à prendre, vous pensez que, et malheureusement, Mabdil, si m'a attendu dans 90 jours, déclaré M. Terroriste, m'a pensé que, et il y en a un route fin qui a, il y en a un route pour nous virer rond, faisons l'autre 2 ans encore à bureau. Yo parle en route, Franky, t'aimes de bagay bien. Parce que nous faisons réalité la vie. Nous disons 90 jours pour le résultat. Mais on nous garde. Non, pour le signal. Pas pour le résultat, pas le signal. Ok, ok, pas le signal. Mais maintenant, il ne faut nous pas marrer, mais il faut nous pas liberté pour aller puis dans la situation, baisser la situation. Parce que ça fait moi dire comme ça que peut-être l'autre, peut-être la police là, l'autre, exemple, yo même peut-être pas, yo pas pour faire commentaire, mais nous connaissons, M. Salo Gade, tout le monde dit que M. Antijan va compromettre. Donc c'est tout le bagage pour garder ensemble pour exactement qui j'ai passé. Yo qui nous avons, yo le fait, à l'entendre de l'opposition. Même d'après, si yo gagne, si M. Yo met tête ensemble, yo comprenne tasse, yo comprenne responsabilité, yo gagne la main, yo. N'a pas saisi pour un paquet de bagage, yo café. Et pour motiver, pour. Je ne peux pas dire que ça que c'est mon ici qui est solution. Je dis que faut pas ignorer. Il y a pas besoin d'advice. Il y a pas besoin de conseiller des gens qui ont expertise. Parce qu'on besoin de mener des gens qui ont différentes expertises ensemble pour former un comité pour garder pour exactement
tout ça on dit pour la police pour qu'ils soient capables de faire parce qu'il faut identifier mon yo qui est bon qui est mauvais mais quand équipe mon yo déjà corrompu déjà yo même t'as le wall force police même on nous mettait pour n'y a qui chef police ou bien qui presque dans ta position yo c'est eux même qui l'a dit la mais c'est ça encore et ça fait qu'on besoin montrer tout bon que vous combat au changer au besoin de vous prendre au sérieux lorsque il y a même lors des connais que connais qu'il y a ou river au conseil des monuments avec eux pour voir comme une business là on river qu'il y a là pour pas rien jouer là dedans parce que si nous met sécurité ça on connaît même là nous pas chita parler même là nous chita parler ou avec nous à faire peu pas ici pas capable rester la situation ça ou l'autre 30 et ou l'autre 1 an 2 ans encore faut chercher une solution à quelque soit solution donc sous bon compagnie qui a marché comme il va marcher ou alors ça dit mais au besoin est-ce que compagnie at least li ou mettre le lundi sur Haïti son camion qui la monde qui descend qui perd du frais nous besoin at least mettre le position pour nous camper après ça pour nous capable marcher mieux oui mais et vous parlez donc compagnie elle pas marcher sauf changer si ça tête là parce que c'est lui même qui va direction yon. Et yeah, le, on l'autre qui a un plan qui est actionnable. Ça veut dire un plan qui est exécuté. Maintenant, il y a un problème moi, qui est important dans le pays qui a mérité de résoudre, Wendell, c'est la compagnie de sécurité qui est dans le pays. Côté de la nouvelle, si on fait une réunion avec quelqu'un qui a un meeting, ou la police, ou un service de la police, ou payer la police, ça centralise les gens qui ont fait l'autre. Ça centralise les gens qui ont fait l'autre. C'est vrai qu'il y a des compagnies de sécurité qui tout by sécurité ou mais on pensait que y en a problème pour pas connait que monsieur a arrivé ça ça très coûte c'est retirer à faire compagnie de sécurité dans le pays parce que c'est eux même qui alimenter qui permettre que les armes qui circuler on sait qui fait que la police capable perdre du contrôle la rue en termes de qui est-ce qui a pour armes et qui est-ce qui a fait des ordres avec armes donc ça me pensait son problème qui lié et ça a demandé expertise pour réunir, pour résoudre, même penser que les compagnies de sécurité sont un problème, c'est un problème, c'est un facteur qui alimente l'insécurité également. Alors, sauf que le cas difficile pour résoudre le problème, ça, pour un niveau que nous y est là, d'ailleurs, tellement de gens en pile et tellement de gens qui ont bail service, donc il y a une industrie énorme, comment pour empêcher que l'industrie ça continue à fonctionner? Non, ou réduire pas à pas. Ou mettre des régulations, côté que tu es comme la case, ou faire des exigences, côté que pour réduire le nombre. Parce que quand même, il y a des standards pour suivre. Il y a des niveaux de préparation, au niveau des armes que vous avez, j'ai ou fait. Ou réduire jusqu'à ce que vous faites la police, vous faites l'État, prenez responsabilité pour le bail sécurité. Parce que nous pas de bagage en vente. Affaire pour la sécurité, à ce moment-là, c'est vraiment nouveau dans la culture. Nous. Et, mais nous voyons que, au fur et à mesure que le temps va aller, j'en dis là, il y a une trop. Bin gen trop et insécurité assez montée la pointe avec présence compagnie sécurité donc next ça fait quoi bien me comprendre donc ça veut dire que l'État donc là on dit non plus gen compagnie sécurité c'est plus gen insécurité ah pour qu'on va comprendre ça mais on joue ça maintenant monsieur et ma part faire mes interviews et avec nous jeudi nous observer que il y a pile organisation dans la diaspora. Qui pourrait être dans la recherche de solutions à problèmes haïtiens? Ma propre, nous observer, ou bien est-ce qu'on est toujours là et que ces technologies ne permettent pas que nous réalisions, nous rendons compte de performance, de capacité, de présence sur tout ça? Mais je dis, nous connaissons que y a un pile organisation de la diaspora, cap milité, qui a fait politique tout. Et qui poyo dans la recherche de solutions à problèmes payants. C'est le dernier point m'apprend avec nous. Ok, now, et bon prendre ça pour Wendell. Ok, now, parce que ma petite communauté à quelque temps, quand pile monde qui fait j'effort, qui fait petit projet, surtout et non-profit organisation qui entre en Haïti, mais il fait individuellement. Mais si on regarde les communautés, on parle de New York, on connaît très bien, et où grand pile haïtien fait succès. Un bel caillou, un bel auteur professionnel, et ils reconnaissent comme groupe de monde qui est plus performant en termes de capacité pour faire et dans différents milieux professionnels qui sont dans New York. Là, si je regarde, je ne peux pas dire que les directeurs du budget de New York là, qui apprennent des billions de dollars sont haïtiens. Ça, c'est. Now, mais cependant, on a dit que
Ces derniers temps, on a dit que gagner un symposium que nous planifions pour organiser et dans le mois d'août, dans le Brooklyn College, qui pourra déboucher sur une convention qui a fait dans l'été 2025. Et thème convention, hein, c'est qui rôle diaspora capable de jouer dans la reconstruction Haïti. Donc, on a cherché experts en Haïti, experts différents côtés dans l'économie, qui comptent bien, experts par Boissy Moun, qui a réfléchi pour exactement qui gens nous capables de réfléchir sous intervention que diaspora capable de faire. Et en fait, ce symposium, ça, c'est pour nous appeler New York. Nous avons un plan pour nous faire l'autre symposium dans le Canada, dans Boston, dans Miami, pour nous capables de recouper des idées qui viennent avec un livre de projets que Haïti est capable d'exécuter. Et en Haïti, pour mettre le pays ça capable de joindre un coup de main plus en fait, effectif dans la diaspora. Et l'autre activité que nous pensons, organisation, que nous pensons qu'on a dans tous ces solidats que nous venons avec l'idée que Haïti est capable de mettre tête ensemble, c'est arriver à mettre 100 Haïtiens ensemble qui, en fait, investit 5 000 $ ensemble pour un capital de 500 000 pour nous voir si on a créé des projets côté que Haïtiens capables d'investir, acheter 1 000 000 de chairs à 100 $ pour nous capables de créer une force économique dans la diaspora. Nous réalisons que, par exemple, voire nous pas attendre à l'extérieur, dans la communauté, parce qu'on a pris l'empile, faire des marches, lettres, marches à droite à gauche, pétition, ça va marcher. Voire nous pas attendre ici dans la diaspora, nous pas attendre en Haïti. Et parce que Haïtiens contribuent en pile à travers transfert que fait plus de 3 millions par année en deux pays d'Haïti, mais c'est une aide qui allait à la consommation. Mais nous avons besoin des capitaux qui pourraient entrer souterrain, créer travail, créer job, mais c'est dans le stade de formation que nous avons en termes de Haïtiens apprendre travail ensemble, apprendre d'un dans l'autre, apprendre construire, apprendre bâtir pour nous prendre compétences haïtiennes, mettre l'ensemble avec capital haïtien pour nous capables de faire une différence non seulement dans la communauté, nous pour nous capables de voir nous, mais en Haïti. Merci, docteur Théodore Fayette. Francky Louis Ougamopa, vous dites sur le poids des organisations de la diaspora. Je n'ai pas le point, docteur Fayette, parce que je n'ai pas réellement ça. Je n'ai pas le point qu'il a ajouté, je suis d'accord avec lui, mais qui est-ce que je n'ai pas le c'est pas pour gommer si ou même en Haïti ou en commun parti politique ou bien whatever. Nous réellement divisé ici. L'expérience pas que moi fait et peut-être chaque monde dit que yo pas bien informé ou dit moi suis informé plus qu'on l'autre mais pas capable gagner yo sorte de et qui est capable dire une sorte de agreement pour dire mais qui ça n'a fait. Moi même gab tout ça moi c'est une là dans lui moi gagne quelques sénateurs qui était couleur by président Biden. OK, m'écrit sénateur ça y écrit nous bac pour me contact avec eux mais là m'a préjugé mon yo chaque monde dou pas mon ko jeune monde vrai pour nous prendre un bagage solide capable de mettre tel bagage dans me supporter et je dis on dit ça laisser pour venir ça dou non ça c'est monde qui Philippe ça c'est monde et ça c'est monde comment encore pour de cassation ça dou c'est monde qui dit que chaque monde je refuse de comprendre que comme c'est situation courrier ou bien mettre tête ensemble pour l'union faire la force côté gagne bagaille c'est pas ça ta remet mais ou obligé compromettre ça c'est une problème que tout le monde connaît par exemple moi qui gouvernement kounye là c'est bon m'pas bon menti fait c'est bon c'est m'pas remet du tout mais si kounye là gon façon pendant que m'pas remet li m'pas remet pour faire tout c'est pays à moi devant moi si gon façon pour m'ka aider m'ka bail pour m'ka whatever m'ka faire faut que moi faire li. Donc c'est là pour ça m'arriver nous arriver côté que et ça donc ça c'est ça lié exactement ouais qui est négatif tête nous ensemble parce que nous besoin sacré les ou empowerment nous besoin conseil pouvoir politique là mais nous et puis économique tout parce que nous arriver qu'on est là pendant que nous ça qui fait mal chaque jour et quand est pays et c'est pas propre nous pas rien ici mais ça n'est pas capable mettre ensemble ouais qui est négatif parce que c'est tout là c'est l'état pour faire et moun yo pa vle paye taxe ou moun yo pa fè travay yo donc c'est qui en ka mete tête nou ensemble pour nous rejoindre ça ne ka faire pour le pays a donc moi applaudi travail ou docteur Fadia c'est vrai ou yo bon tout bon pa bon menti moi même moi fais partie solidaire tout son bagay moi remet en pile depuis tout temps d'elle mandé ça n'a besoin pour communauté a même Jean Kounya moi même moi organisation pour moi c'est ne ka mete tout haïtien ensemble pour capable voter pour mon seul voix. Mais là, regardez, pour moi, il y a parfois dit c'est ça, problème, mais là, fini, il refuse de compliquer. Et si nous, tout le vote, nous conservons avec les gens, peuple juif, ils ont fait, d'accord, l'autre communauté, ça, ils ont fait, ici aux États-Unis, si vous comprenez, nous avons pile influence
Si vous avez des amis dans le Congrès, dans le Sénat, nous avons besoin de gens qui peuvent fight pour nous, qui peuvent batailler pour nous. Parce que les gens dans ce cadre, la faux cadeau, mais laissez vous-même qui supportent, qui aident, parce que si vous êtes capable de voter, nous sommes capables d'utiliser le COP, nous sommes capables de participer, nous ne pas avec nous. Bon, vous savez, si vous êtes capable d'inventer pour vous, pense, pour nous, qui ça pour vous faire pour nous, parce qu'il y a besoin de vous pour voter pour vous. Donc, c'est les gens qui ont besoin de nous faire. Et je me demande pour nous, si nous sommes capables de mettre nous ensemble. C'est dans mes chakaïs et mes têtes ensemble, poser des questions. Qui ça que ou même ou fait la situation? Ça va, c'est un film où ils comprennent les situations. Je ne vais pas me dire qui ça a fait pour offrir. Qui ça a offrir pour résoudre la situation. Et si vous n'avez pas une bonne organisation qui a une vision, une organisation régionale pour aider son lacayou de poumlade, yo bon. Mais l'organisation qui a mis des pays, je une organisation sérieuse, je veux travailler avec lui pour nous gagner pour son affaire. Monsieur, merci. T'es content, petit moment que nous passons matin pour nous poser problème paysan, exprimer attente nous. T'aimes profiter du docteur Théodore Fayette que Mounsen Marc, qui t'attendait lui à travers radio tête à tête, saluer lui, voyez beaucoup, voyez soleil pour lui, voyez soleil pour lui. Et monsieur, t'es content que nous t'aies participé dans l'émission. T'aimes remercier tout, Madame Diana Durocher, Ingrid. Désir qui yo même tout a te coordonné émission ça pour moi matin. Monsieur Kembela, bonne chance avec Haïti. Moi espérer que n'a capable parler on l'autre là pour nous faire le point sur situation haïtienne en diaspora et en même temps sur nous même tout qui en fait sous pays d'Haïti à proprement parler. Allez Kembela, n'a pas l'autre là. D'accord, merci Wendell. Allez. Merci beaucoup Wendell. Qui est là? Bonne journée. Ouais, puis, merci beaucoup. Merci. Et juste avant de refermer cette émission, on va essayer de retrouver Wesley Renaud-Jean. Wesley Renaud-Jean qui est du côté de la primature où l'élection d'un coordonnateur ou d'un président va se dérouler dans un instant. Wesley, est-ce qu'on t'entend nous, Wesley? Allô? Oui. Oui, je vous reçois, Wesley. Je sais que l'élection d'un coordonnateur du conseil ou bien d'un président va se faire à 10 heures. Est-ce que vous avez des informations et les préparatifs? Pour les préparatifs, qu'est-ce qu'on dira? Non, ben, on va dire que tout à l'heure de bien de 1 se déroule pour le moment. Et le conseil présidentiel, les membres du conseil présidentiel sont en train d'arriver sur place. On a remarqué des installations et des urnes, des éléments, des isoloirs et appartenant au conseil électoral, ce qui laisse penser que ce processus est un petit peu supervisé, si vous voulez, par le personnel ou bien les équipements, et avec l'accompagnement, disons mieux, du conseil électoral. Et de ce qui reste du conseil électoral. Maintenant, on a vu quelques conseillers papillés sur la cour de la primature, ou bien désormais siège du Palais national, comme on l'a appris sur place. Et le siège du Palais national, vraisemblablement, est transféré ou bien va être officiellement transféré à la primature, selon les premières informations, qui nous restent bien entendu à... confirmer Wendell. Mais pour le moment, on a vu quelques conseillers sur la cour, l'air plutôt détendu, et certains détendus, mais d'autres plutôt très intéressés, très préoccupés. Mm-hmm. Et les dispositifs de sécurité sont bien présents, bien à point, si on peut dire ainsi. Des journalistes sont sur place. On a remarqué la présence de quelques représentants. Nous établissons une communication avec. Quelques acteurs politiques ne sont pas nombreux à arriver encore, Wendell, comme mm-hmm. je vous ai dit. Mais il y a des observateurs aussi. Il y a des observateurs. J'ai remarqué un nombre important de journalistes. J'ai pu identifier un nombre important de journalistes étrangers. Comme c'était, par exemple, avant. Lors de l'élection ou bien de l'installation du conseil, je n'avais pas remarqué autant de journalistes étrangers, mm-hmm. même si on sait qu'il y a des médias étrangers qui se sont fait représenter par des confrères locaux ici sur place,
Mais là, maintenant, j'ai pu remarquer, identifier certains journalistes étrangers, ce qui, pour moi, montre un peu l'intérêt de nos partenaires étrangers ou des pays étrangers sur ce qui se passe en Haïti. Deux autres petites questions rapides pour terminer, Wesley Renaud-Jean. Vous avez parlé du Conseil électoral. Est-ce que vous faites allusion à l'institution électorale permanente? Oui, justement, je parle de l'institution. Alors, quand je parle du Conseil électoral, je ne parle pas. OK. Le personnel technique et les matériels et, qui font comme si qui sont la propriété, si vous voulez, oui, de l'institution. C'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé d'institution permanente, d'institution électorale permanente. Maintenant, Wesley Renaud-Jean, qu'est-ce qui garantit la crédibilité ou la transparence de ce processus? Eh bien, pour le moment, on peut dire que ce serait seulement la bonne foi des participants. Seulement la bonne foi des participants et seulement le sens du fair play et de l'honnêteté des participants qui peut garantir, puisque, comme vous savez, dans tout processus, oui. On a perdu le contact avec Wesley Renaud-Jean. On va essayer peut-être de le rejoindre pour davantage d'explications. D'abord, on aurait aimé savoir le nombre de candidats. Ils sont au nombre de combien? On parle de 4 à accepter de se porter candidat dans le cadre de cette élection qui va se dérouler dans un instant à la primature, qui est donc désormais siège du Conseil. Wesley, on a pu rétablir le contact avec toi. Alors, dis-nous, Wesley. Oui, on avait perdu le contact. Oui. Alors, qu'est-ce qui je te demandais ce qui garantit la transparence ou la crédibilité de ce processus. Et le sens du fair play des participants à ces élections peuvent garantir sa crédibilité. OK. Maintenant, autre question. Autre question rapidement, Wesley. Ils sont au nombre de combien à se porter candidat? Ils sont au nombre de combien? On a combien de candidats? Eh bien, on a 4 candidats. Les candidats sont déjà connus de tous. Et Wesley Voltaire est candidat représentant de famille Lavalas au sein du Conseil présidentiel, et Louis Gérald G, représentant de l'accord du 21 décembre, et Foucault Fonjean pour Montana. Et Edgar Leblanc. Foucault Fonjean pour Montana, et puis Edgar Leblanc-Fils pour l'accord du 30 janvier. Et ce sont les 4 candidats déclarés, et chacun de son côté essaie de mettre du sien pour remporter cette élection. On a compris à ce que l'on a vu, à ce que l'on a entendu, Wendell, qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de consultations qui sont faites en ce sens, mais pour le moment, on ne peut pas dire qui est-ce qui va remporter les élections. Je te remercie infiniment, Wesley Renaud-Jean, pour ces informations. Je rappelle que tu es sur place et là, tu intervenais en direct de la primature où doit se dérouler dans un instant l'élection pour élire un président ou un coordonnateur du Conseil présidentiel. Merci Wesley et on te retrouve un peu plus tard puisque tu es sur place. On se retrouve un peu plus tard. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et on se revoit jeudi matin. Allez, bonne journée entre-temps. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.